wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, my double up, flop, vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors, il y a très peu de temps, une personne se nommant Mylino a tout simplement posté une petite photo sur Instagram parlant d'un certain DLC pour GTA, mais je vais en venir après. Pour commencer, qui est Mylino? C'est tout simplement la personne qui a prêté sa voix au personnage de CJ dans GTA. Donc vous voyez tous qui est CJ, donc c'est cette personne. Donc la photo qu'il a postée sur Instagram, la voici, où on voit tout simplement CJ et Franklin en version GTA. Puis en dessous on voit CJ et l'acteur qui joue Franklin ensemble. Alors que font-ils ensemble? Est-ce que cette photo date de maintenant, d'hier ou de la semaine dernière? Ou cette photo date d'il y a plus d'un an? En tout cas, ça nous met vraiment l'eau à la bouche. Qu'est-ce que cette photo peut signifier? Et quand on regarde la description que Mylino a mis sur cette photo, on peut apercevoir qu'il a mis hashtag CJ, hashtag Franklin, hashtag GTA DLC. Chut. Alors qu'est-ce que cela peut vraiment signifier? On avait déjà été confronté à ce genre de situation avec l'acteur qui joue Franklin, qui lui aussi avait déjà posté des photos sur Instagram du même style, où on pouvait le voir en capture motion dans les studios de Rockstar et qui mettait des descriptions assez cheloues, mettant coming soon, DLC, puis les avait modifiés puis supprimés. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce genre de photos qu'on peut trouver sur Instagram. Mais si Mylino a déjà travaillé pour Rockstar et qu'il met une petite photo comme ça en même temps hashtag GTA DLC, c'est qu'il y a quand même quelque chose de caché derrière tout ça. Peut-être un DLC solo qu'on verra arriver très prochainement, qui va être annoncé par Rockstar, où on verra peut-être CJ réapparaître dans GTA 5. Ce serait vraiment l'idéal, mais en tout cas pas plus d'informations très concrètes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. Je compte vraiment sur vous pour me donner un maximum d'avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Qu'est-ce que vous pensez du DLC solo de GTA 5? Et vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.